Salut à toi, seigneur de guerre, c'est Franck. Je suis avec Sarantai, Loukraj et Milada. On est en route pour le FTC Nord-Ouest à Cherbourg. Qu'est-ce que c'est le FTC Nord-Ouest? Vous allez me le demander. Vous me le demandez. French Team Cup. Donc du coup, vous allez retrouver 10 teams, parce que là, c'est la plus grosse qu'on va avoir. Et on va se donner à fond, parce que c'est la dernière, juste avant les Worlds. On est à 2 semaines des Worlds, donc franchement, on teste tout ce qu'on veut. Ça va être ouf! Vous avez pu voir un FTC Sud-Est sur notre chaîne, un tournoi Insider. Là, on rempile donc pour le Nord-Ouest. L'idée, c'est de vous faire découvrir un peu les coulisses des tournois, notamment donc là, ici, Age of Sigmar, bien sûr. Comment ça se passe pendant les parties, avant les parties, les moments des repas et tout ça, les moments vraiment de l'ombre. On va pas mettre ce qui se passe après 23h quand même. Après 23h, non, il y a une limite quand même, on verra. D'accord. Je filmerai quand même. On verra bien. Okay. Là, il nous reste encore quelques heures de route. On se retrouve quand on est sur place. Les amis, on se retrouve donc sur le tournoi. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ben, c'est parce que pour ce FTC Nord-Ouest, nous avons 10 équipes qui s'affrontent. Donc sur AOS, mais en plus de ça, on a un tournoi Warhammer 40 000, un tournoi X-Wing et Seigneur des Anneaux qui se déroule au même moment. Ça va être l'occasion aussi d'aller rencontrer cette autre communauté de joueurs, voir quelle est leur approche du hobby, du wargame, découvrir un peu ce qu'on voit peu, pour le coup. Je parle bien sûr pour X-Wing et SDA, 40 000 on en voit un peu évidemment. Tout au long de cette journée et la journée de demain, nous allons découvrir donc des joueurs, des organisateurs, les moments forts d'un tournoi, les moments fun d'un tournoi. Pour commencer, je vais aller faire un tour comme d'habitude sur les tables, voir un peu ce qu'on a comme figurine, parce qu'il y a de très très belles armées, comme il se doit, sur AOS. Alors, je suis avec Chico. Chico, qui est-il? C'est le responsable de la communication des lutins du Cotentin. Alors, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est vraiment ton boulot dans l'assaut? Dans l'assaut, alors j'ai commencé responsable de la com et ils m'ont demandé d'être vice-président en même temps. Au final, c'est juste de donner une casquette pour que les collectivités... J'ai un peu plus de poids quand je discute avec les collectivités. Chargé de com, c'est toutes les liens que j'ai avec les mairies pour quand on veut faire des événements, pour trouver des salles, pour demander des subventions éventuellement. Et puis la com, le Facebook, essentiellement pour essayer de communiquer. Et plus on communique, plus les gens sont au courant qu'on organise des événements. Et du coup, ça les fait venir. Et aussi, ça c'est pour tout ce qui est compétition. Mais aussi, on essaye de communiquer en local avec la presse locale, avec la radio locale, pour essayer de donner de la curiosité aux gens du coin pour qu'ils se disent, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce hobby? Et du coup, venir nous rencontrer et puis après, intégrer l'assaut ou au moins rentrer dans le wargame, quoi. Alors justement, c'est toi peut-être le mieux placé pour me le dire. Est-ce que justement, le wargame suscite de l'intérêt dans la région? Oui, alors ça suscite de l'intérêt, mais je pense que là, on a commencé à avoir un cap, un plafond. On a réussi à... Donc il y a 4 ans, on était une quinzaine, entre 15 et 20 dans l'assaut. On a fait une grosse com pendant 3 ans, on est monté à 70 membres. Et du coup, là, on est sur une phase où ça devient un peu plus compliqué pour faire venir des nouveaux joueurs. Mais là, c'est l'objectif des deux prochaines années, on va dire. C'est d'essayer d'aller toper les lycéens,
qui ont du temps, qui sont qui peuvent être intéressés, et donc les faire venir dans l'assaut vraiment en leur faisant découvrir. Et c'est pour ça que là l'événement des lutineries, on l'a ouvert au public pour que les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs puissent venir voir de la peinture avec des peintres qui viennent faire un peu de l'initiation à la peinture, une impression 3D, et puis on a des bénévoles aussi de l'assaut qui sont là pour leur expliquer comment on joue à des figurines sur Kill Team, X-Wing, plusieurs jeux quoi. Bah, bravo, voilà. C'est un sacré boulot déjà. Ouais, c'est du taf, mais ça se passe bien. Et justement, alors peut-être que les gens qui vont voir des habitants de Cherbourg et de la région qui vont voir la vidéo auront envie peut-être de vous rejoindre. Ouais. Comment on fait ? Eh ben, comment on fait, c'est super simple. Du coup, on a un premier contact, ça se fait souvent sur Facebook. Une fois qu'on a un premier contact sur Facebook, on a aussi une plateforme Discord où les gens peuvent échanger avec nos membres sur des questions de règles, etc. Et c'est souvent comme ça, c'est des gens qui sont un peu dans leur coin, qui posent des questions à nos membres, et puis au fur et à mesure, ils se disent tiens, on va venir dans les salles. Et donc on a deux salles dans le Cotentin qui sont ouvertes, on va dire, tous les vendredis soirs. Et donc il suffit de nous demander, les gens viennent une ou deux fois, et puis au bout d'un moment, ils s'inscrivent à l'assaut, quoi. Ok, très bien. Donc pour ceux qui s'intéressent, donc je mettrai le lien vers la page Facebook dans la description. N'hésitez pas donc à prendre contact. C'est, je pense, une des meilleures façons de vivre le hobby, c'est de le faire en groupe avec des gens. Carrément. Et j'ai bien l'impression que cette association est très active, donc profitez-en. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cet événement ? Parce que moi j'ai présenté le FTC, mais c'est pas que ça. Ouais. Par ailleurs, est-ce que vous faites d'autres choses dans l'année ou est-ce que c'est un one shot ? Alors dans l'assaut, du coup, on est actif sur plusieurs jeux. Il y a surtout AOS, 40K, Star Wars X-Wing, Kill Team, Seigneur des Anneaux. Donc c'est vraiment les jeux phares de l'assaut. Tout au long de l'année, tous les vendredis, on se réunit, il y a plein de jeux, enfin tout le temps. Et il y a des campagnes aussi narratives qui sont super développées, surtout sur Kill Team, on va dire. On a une équipe Kill Team qui fait des décors magnifiques, très immersifs. Voilà, il y a des. Et puis là, c'est une des tables, mais bref, ils ont des tables magiques. Et après, on a du coup l'aspect un peu plus compète, mais on n'est pas ultra compète. On veut juste s'amuser et puis rencontrer du monde. Et c'est pour ça que là, on organise du coup les lutineries. Donc c'est la première édition et on veut vraiment que les lutineries, ça soit un peu une référence et un événement qu'on coche sur la date pour les tournoyeurs. Et c'est un week-end multi-jeux. C'est vraiment comme ça qu'on veut le faire. Ça sera jamais les mêmes jeux tous les ans, pas forcément le même nombre, mais vraiment on veut que tous les gens de l'assaut, c'est un peu on se réunit tous un week-end sur tous les jeux et on fait venir des copains de loin ou de moins loin et on fait un week-end tous ensemble comme là et donc pour l'instant tout se passe bien, donc j'espère que l'année prochaine ça sera pareil quoi. Bah j'espère personnellement. Donc je disais, je te remercie. Merci pour cet investissement, hein. ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est cool. On se revoit dans le week-end de toute façon. Ouais, ça marche. Je suis donc avec Grim, président des Lutins du Cotentin. C'est ça. Donc, ils nous ont invités pour cet événement. Et donc, je te remercie déjà. Ouais, merci d'être venu. C'est un vrai plaisir d'être là. Impeccable. Donc, président d'une association de Wargame, on peut dire ça comme ça. C'est comme ça la nomenclature officielle ? Wargame, ouais. Alors, c'est quoi le boulot de cette association ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors à la base, l'association a été créée en 2014. Elle avait pour but de fédérer et de regrouper des personnes, parce qu'il faut savoir que la Manche, on est dans la Manche, hein, Lutins du Cotentin, c'est dans la Manche. On est un petit peu la botte italienne mais française, quoi. Donc les joueurs, faut venir les chercher pour qu'ils montent un petit peu jusqu'en haut.
Et donc du coup l'association elle a eu le but de regrouper tous ceux qui étaient un peu étalés, qui jouaient dans leur garage, pour essayer de promouvoir le jeu et, au sein d'une région. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'on a plutôt bien réussi puisqu'on est passé quand même, même en période Covid, de 14 membres de 2014 à 2019 à 60 membres à peu près à l'heure actuelle. C'est tout à fait honorable en effet. Donc là, donc c'est vous qui organisez cet événement, ouais. Donc le FTC et les autres tournois 40K, etc. Ouais. Donc ça, Chico nous en a parlé. Est-ce que vous faites d'autres choses tout au long de l'année ou c'est vraiment un one shot là maintenant ? Alors le tournoi, là, on l'a appelé les mutineries parce qu'au sein de l'association, on a plusieurs jeux. Et on essaie de satisfaire un maximum, hein, le hobby étant ce qu'il est, avec les versions, dès qu'on arrive à une fin de version, tout le monde a un peu un souffle, on attend les BT, la nouvelle version de règles, hein, tout de suite. Donc l'avantage de voir plusieurs jeux, c'est qu'on peut basculer sur un autre jeu en attendant l'arrivage des nouvelles règles. Quoi. Donc, et puis c'est une force aussi de pouvoir échanger en peinture, en technique et tout ça, parce que là on a fait quand même tous les décors, mais on a pris tous les jeux. Quoi. Donc tout le monde s'est senti un peu grandi. Et donc du coup l'association non, ne fait pas que Age of Sigmar, ne fait pas que 40K, mais bon il a fallu commencer et c'est vrai qu'on a une base d'un peu de battle. Donc on a commencé par Age of Sigmar. Il n'y avait pas de tournoi organisé, on va dire national. La OSSFF ça a mis les pieds dedans et du coup j'ai motivé les troupes pour dire il y a un créneau, si on veut que les gens montent sur Cherbourg, faut briller à la OSSFF. Donc on a commencé par l'étape de la OSSFF. D'accord. Voilà. C'est un peu l'historique, c'est un peu ça. Mais le but de l'association, ouais, c'est de monter à autant de tables AOS, à 40K qu'à AOS. Mm-hmm. Et dans les jeux phares de l'association, en dehors, en parallèle, on a du Kill Team, qui est très très développé chez nous, avec des campagnes. Il y a à peu près 3-4 campagnes dans l'année sur Kill Team. Des petits tournois internes, on fait beaucoup de petits tournois internes sur Kill Team. Ça permet aux joueurs de se reposer un peu entre des gros tournois d'AOS. Ouais. On a du Star Wars Légion, on a du SDA. SDA se développe le mien aussi. D'ailleurs, on a fait deux travées et on pense monter encore une travée de plus. C'est vrai que ça se fait rare et ça fait plaisir de le voir. Mais le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, est très limité en France parce qu'il n'a pas été traduit, même s'il y a eu des traductions. C'est ça. Fan-made, on va dire. Mais bon, c'est du coup la première approche, le nouveau venu a du mal à rentrer dedans. Ouais, à s'intégrer. Donc c'est aussi le but de l'association, c'est de pouvoir regrouper, comme toute association, des gens un peu partout qui changent de région, qui veulent toujours garder un petit peu le côté de pouvoir jouer. Du coup, l'association elle est grande ouverte pour ça. Et pour répondre à ta question, ouais, donc du coup, on n'est pas que tournoi. Les lutineries, c'est un moyen pour nous de tous les lutins, de proposer tous les jeux qu'on a. Et du coup, avec Chico, que tu as pu voir, on a organisé cet événement-là, parce que ça demande un boulot quand même d'organisation, ça demande un boulot au niveau de la vivette. Donc il y a un boulot en amont d'organisation. Et après, le jour J, on fait briller avec tous les jeux de l'association. C'est le but des lutineries, c'est ça, c'est de briller avec tous les jeux de l'association, que tout le monde soit content à la fin du week-end de tous les jeux, parce que c'est le but d'une association, c'est que tout le monde s'éclate dans son association. Donc voilà. Ah ouais, ouais. J'en profite quand même pour souligner le fait que l'organisation globale du tournoi est de qualité vraiment supérieure. Merci. Je félicite l'équipe pour ça. J'ai vu pas mal de tournois et ils ne sont pas tous à ce niveau-là, vraiment. Nous, le but, voilà, on est très loin, on demande aux joueurs de venir. Et puis j'ai fait beaucoup de tournois avant, ouais. Donc du coup je sais, j'ai fait les interrégions et ainsi de suite, donc je connais bien. J'ai fait aussi l'interrégion en V8 avant qu'on passe à l'AOS. Donc je connais bien le niveau tournoi, je connais bien aussi au niveau restauration et tout ça. Et c'est vrai que moi je mets la barre, enfin j'essaie de la mettre assez haut, parce que je trouve pas plaisant de faire de la route, de faire des kilomètres et de pas avoir satisfaction, que ce soit au niveau nourriture ou décor sur la table. Donc on essaie quand même de faire des tables assez agréables en respectant au maximum les règles que Games veut bien nous mettre. Enfin, ils nous en mettent. Ouais, voilà. Mais pour l'instant, au niveau des retours, ouais, je pense que ça plaît. Quoi. Très bien. Alors tu m'as parlé d'une autre action que tu voulais, tu voulais développer via l'association, c'est l'aide des autres petits assos. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Disons que on est passé de 2014 à 2019, on était à 14 personnes. De 2019 à 2022, on est à 60.
Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. On a eu des personnes très motivées qui ont intégré le bureau, qui ont mis en place des choses comme le Discord, c'est un bon moyen de communication. Il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est mieux que les forums et tout. On peut prendre une photo de peinture, ça va très vite, ainsi de suite. Et pendant la période Covid, nous a permis de maintenir un niveau de discussion avec les membres qui étaient un peu isolés. Et ça a permis à l'association de bien grandir. On a rencontré aussi des difficultés, et là je m'adresse aux associations qui voudraient organiser des choses, pour trouver les salles, pour savoir qui contacter. La plupart du temps, les mairies, c'est on a le droit à la salle que quand le siège de l'association est rattaché dans la ville où tu es. Donc c'est très difficile. Alors du coup, on a bataillé parce que les joueurs sont éclatés partout. Et donc c'est pour ça qu'on s'appelle les lutins du Cotentin, ça rayonne un petit peu. Et on a pu discuter avec les mairies, se regrouper avec le service culturel et tout ça. Donc il y a des moyens, mais il faut les connaître. Et donc du coup c'est pour ça qu'on n'est pas contre de pouvoir aider les associations à avoir ces petits leviers-là. Et on voudrait même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est bien beau que nous on organise, mais on aimerait bien aussi mettre les pieds sous la table ailleurs. Et donc du coup, ça ne nous dérangerait pas non plus de prêter les tables, de prêter les décors. Nous, on a fait en sorte que les décors, les tapis et tout ça puissent rentrer dans des boîtes de transport et tout. Donc on peut, si vous organisez un événement, on va dire en Normandie, et que vous avez besoin de moyens, facilement vous envoyer, bien sûr, s'il y a des joueurs de chez nous qui viennent à votre événement, parce que c'est toujours le transport, ils peuvent vous emmener 3-4 boîtes pour que vous passiez faire 12 tables. Et du coup, si ça peut vous aider, nous, ça nous aide aussi, parce que nos joueurs sont contents, ils ne font pas de l'organisation, ils profitent aussi de l'événement. Quoi. Voilà, donc c'est pour ça, on lance l'appel. Du coup, tu me dis si je me trompe, donc si vous êtes une asso et que vous voulez faire ça, on vous contacte par votre page Facebook. Facebook ou Discord. Très je ne sais pas si tu pourras mettre ça en lien. Mais on vous met ça en description, évidemment. Super. Donc n'hésitez pas, je pense qu'il y a de l'envie, donc il faut y aller à fond. Ouais, il ne faut pas hésiter à toquer à la porte, même si c'est juste des petites questions de règles ou des questions de comment on fait avec les associations pour en créer une, des choses comme ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Parfait. Mais écoute, je te remercie encore. Merci à toi d'être venu. C'est un plaisir. On se revoit de toute façon dans le week-end. Ouais. Et à bientôt. Je suis donc avec la championne du Cotentin de Warhammer et de Sigmar. Non, je plaisante. Je vous laisse vous présenter tout d'abord. Voilà, donc je suis Odile Lefévéron, donc je suis maire adjointe à la vie associative à Cherbourg-en-Cotentin. Donc voilà, donc depuis 2 ans, j'ai découvert la Warhammer. Warhammer. Voilà, hein, c'est ça. Donc c'est l'association des lutins du Cotentin. Donc ils nous ont demandé, on les a invités à venir à Chantraigne il y a 2 ans. Et là, cette année, ils sont à l'Agora. Donc c'est une association de jeunes qui vraiment ont envie de faire découvrir leur jeu. Hein, on peut le voir derrière. Donc je suis maire adjointe de la vie associative. Et la vie associative, c'est vraiment aider les associations dans leur fonctionnement. Ils ont leurs activités, mais dans leur fonctionnement, s'ils ont besoin d'avoir de l'aide juridique, de l'aide pour des formations, nous sommes là. Vous tapez sur le site de Cherbourg-en-Cotentin et vous allez voir Vie associative. Et toutes les associations peuvent regarder et nous solliciter. Et alors, sous quelle forme peut venir cette aide, justement ? Alors, cette aide, elle peut venir sous forme juridique, sous forme... subvention, ça, c'est vraiment... On regarde. Et puis, elle peut venir aussi... des formations. Simplement, un président, c'est pas donné à tout le monde d'être président. Trésorier, la même chose. Donc, on peut faire des formations pour aider à comprendre le budget, comprendre sur une opération comme celle-ci. Il y a forcément à un moment des engagements financiers, donc il va falloir faire un bilan.
et on peut aider également à l'association à vraiment faire le bilan financier, le bilan moral aussi, et puis à préparer l'Assemblée Générale, tout simplement, qui est, je le rappelle, une fois par an, obligatoire. En effet. Y a-t-il des prérequis pour demander de l'aide, ou toute association peut... Alors, toute association de Cherbourg en Cotentin, hein, voilà, c'est bien ça, mais qui rayonne aussi sur le Cotentin, suivant son activité. Des prérequis, non, voilà. Hein, en fait, on a quelqu'un à la vie associative qui reçoit l'association nouvelle, qui nous sollicite, et moi, après, je la reçois dans mon bureau et puis on regarde ce qu'on peut faire. Et suivant son activité, elle va être dirigée vers certains maires adjoints comme la culture, le sport ou les solidarités, voilà, suivant les associations. Mais c'est d'abord la vie associative qui reçoit cette nouvelle association. Donc n'hésitez pas, le site internet Cherbourg-en-Cotentin, vous allez avoir une multitude d'informations. On vous mettra le lien dans la description, vous pourrez y accéder. Voilà, je voulais aussi dire... que c'était super sympa parce que les lutins du Cotentin ont aussi fait appel au service jeunesse des bains-douches, voilà, les juniors associations. Il y a aussi un Fab Lab qui est là avec l'imprimante 3D. Mm-hmm. Donc voilà, donc tout le monde peut regarder et c'est vraiment instructif et c'est formidable de faire ça. Donc bravo les jeunes. Salut, donc je m'appelle Val Jäger, donc capitaine de l'équipe Les Poètes. Donc première participation pour nous, on est une équipe brestoise. Donc équipe du bout du monde, on est venu jusqu'à Cherbourg pour... voilà, on a tous commencé à jouer à peu près il y a un an. Et c'était l'histoire de monter un peu au niveau dans le compétitif. On a été servi dès le début parce qu'on a joué du coup contre l'équipe de Pride et Figolus. Mmh. Donc sacré skill, et en fait le pairing se passe bien et on gagne 90-70. Donc voilà, on a tous commencé à jouer à ce jeu aussi en regardant voilà, des vidéos sur le net, etc. Donc c'est voilà, ça fait bizarre de jouer contre eux, de se retrouver contre eux, mais c'est une belle surprise du coup. Et après du coup, donc première victoire, très content, deux match-ups suivants un peu plus compliqués. Donc on a joué en deuxième l'ordre du lion mécanique, des match-ups plus compliqués, un pairing un peu moins positif. Des petits craquages aussi qui sont arrivés sur les parties, donc une défaite 101-59, si je ne dis pas de bêtises. Et troisième match-up, on joue Ether Force avec là pour le point un pairing très compliqué pour nous parce qu'il nous manquait vraiment des grosses listes clés contre les leurs, type Seraphon, Légion, etc. Et alors les résultats ne sont pas sortis, mais c'est possible qu'on se fasse caper, donc voilà. L'expérience est géniale, on est très content d'être là. On va bien dormir ce soir. Et voilà, du coup, à ta demain, et on est là pour prendre de l'expérience. Mais voilà, pour continuer l'expérience jusqu'au bout et faire des parties, bah, pourquoi pas jouer un dessin ou même la carte des mines demain. À voir, voilà, c'est un full expérience, on est là pour s'amuser, ça reste un jeu, donc super découverte, et voilà, on est content d'avoir fait la route depuis le past. Moi, c'est Pride, je suis capitaine de la team Figolus, donc c'est une équipe qui s'est montée autour de l'association Aleatorium, on joue dans le 95 à Montsou. C'est le premier tournoi par équipe de la team, donc on profite du Super 4 des FTC, organisé par les lutins du Cotentin, super organe dans une super salle et une très très bonne ambiance pour faire justement le premier tournoi par équipe et emmener des relatifs débutants, bah, on va dire un peu dans le dur pour aller affronter des grosses équipes. Une journée un peu mitigée, première équipe on a affronté les Poètes, on perd, de pas beaucoup mais on apprend beaucoup. Ensuite on affronte une des équipes on va dire un peu locale, on arrive à gagner un petit peu plus largement que prévu, donc ça c'est bien avec des gars qui montent en expérience et surtout qui prennent beaucoup de plaisir. Et après on affronte l'autre équipe locale aussi lors du Lion Mécanique.
On se bat jusqu'au bout, on perd 83-77, donc super game. En tout cas, tout le monde prend énormément de plaisir. L'orga est vraiment bien faite, il y a une super ambiance. On va essayer de se battre au maximum le lendemain. On affronte une autre équipe parisienne, Sect of Monk. On avait déjà joué à Châteauroux avec une équipe, on va dire, un peu plus compétitive. Là, voilà, on va voir ce que ça va donner contre eux. Mais vraiment, il y a une super ambiance. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la chance de pouvoir monter une équipe de 8 joueurs, que ce soit une équipe vraiment compétitive ou juste une bande de copains qui sort d'un club, à aller faire ce genre d'événement parce que très bien organisé, dans des endroits magnifiques et encore une fois, une super ambiance. Tout le monde s'amuse, on prend beaucoup d'expérience et on rencontre des humains qui sont top. Donc vraiment, encore une fois, bravo aux lutins pour leur gars. Bravo à la OSFF, encore une fois, pour le système des FTC. Et bravo à mon équipe qui se bat au maximum de ce qu'ils peuvent faire. C'est super bien. Salut tout le monde, c'est Sarah Antaille. Et aujourd'hui, je suis avec l'équipe Academy encore. Alors cette fois, elle est un petit peu particulière parce que là, on est à 2 semaines des Worlds. Donc on vient réellement non plus pour tester des listes parce qu'on ne peut plus les changer. Là, elles sont actées. Maintenant, on est plus pour tester les joueurs sur l'affrontement qu'ils vont avoir. Il se trouve aussi que on n'a pas tous des disponibilités infinies. Donc j'ai pas toute l'équipe de France avec moi, malheureusement. J'en ai quand même 4. Donc là, j'ai bien Yorin, Paul, Mila, Camille, les indéflectibles qui sont toujours disponibles, un peu plus jeunes, évidemment, c'est normal. Et donc, du coup, ils testent leur liste, ils veulent absolument certains pairings, et c'est pour ça qu'ils viennent à ce tournoi-là. Toujours bon enfant. Mais on a un petit peu plus ramé pour avoir d'autres joueurs dans l'équipe, notamment parce que on est à Cherbourg, donc c'est un peu plus compliqué pour tous les gens du Sud de venir, etc. Et puis, comme on dit, là, on est dans une période de vacances. C'est pas si évident que ça d'avoir des gens à dispo. Donc, on est allé chercher un peu les amis, la famille, les sponsors pour nous aider. Donc du coup là on est avec d'autres personnes qui sont là pour nous aider à combler le roster. C'est un peu rigolo parce que du coup on a des listes un petit peu atypiques et surtout on a une ambiance un peu plus détendue parce qu'on n'était pas là spécialement pour faire du gros score. Au final je sais pas s'ils ont été galvanisés par l'esprit académie ou si c'est le côté académie qui fait peur aux équipes adverses. En tout cas ça se passe très très bien pour nous au terme de ces 3 premières rondes. Et surtout l'ambiance est excellente. Là on va aller manger et franchement on a tous hâte. Donc j'espère que vous allez continuer à nous suivre. J'espère surtout qu'on va continuer là des belles parties et une bonne ambiance. Et que on continuera à vous amuser tout du long. N'hésitez pas à nous suivre. Ciao ciao. Hello, Mister Zod de l'équipe Indécent. Donc pour ce tournoi là, on est venu vraiment en tête d'avoir la qualification pour la finale de LFSC. Malheureusement on l'a pas eu au dernier tournoi, donc là on vient un peu le couteau entre les dents. Alors première ronde, on a affronté Lord d'Union Mécanique, c'est l'équipe de Rennes. Très bonne équipe, très bon joueur, super ambiance. On arrive à gagner la ronde, on score pas mal de points. Ce qui fait qu'en ronde 2, on va affronter Sect of Monk, qui est une équipe qu'on connaît bien, qui est une équipe d'Île-de-France. On arrive à marquer 117 points, donc ça nous met très bien sur le tournoi. Donc en fait, on a affronté en troisième ronde l'équipe Academy. Donc des vrais challengers, des très bons joueurs, des très bonnes listes. Malheureusement, on perd contre eux, mais on se fait pas caper, donc on marque un peu plus de 50 points, ce qui nous met en fait en deuxième position. Et là, on va affronter l'Ether Force. Donc l'Ether Force, c'est clairement une équipe qui peut viser la qualification également. Donc là, on va tout donner. Sur les pairings, on s'estime plutôt correct, donc on espère qu'on va faire des bons pairings. Et alors, si jamais on arrive à battre l'Ether Force, normalement, on a déjà affronté les équipes. Les top équipes qui viennent vraiment pour la qualification. Et donc en dernière ronde, ça devrait peut-être être un peu plus simple. Mais en tout cas, super tournoi. Les lutins du Cotentin, ils ont une organisation de fou. Honnêtement, en France, je pense que c'est vraiment les meilleurs organisateurs. Là, on a 4 tournois en même temps et c'est assez dingue. Donc merci à eux. Merci aussi à Creative Wargame pour la couverture de l'événement. Ça fait toujours super plaisir. Surtout que la V3 d'AOS, elle est super cool. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vraiment le format A8 c'est génial. Salut, donc moi c'est Kazlo, je suis le capitaine de l'équipe donc des PSG, les pas sûrs de gagner. Notre équipe, donc effectivement on a réussi à être dans ce qu'on avait prévu, donc on n'était pas sûr de gagner et nous n'avons pas gagné. On a eu une équipe qui venait pas forcément pour perfer et plus pour s'amuser mais avec des listes originales. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. La première round, on la perd un petit peu, mais grosso modo, les pairings et les matchs étaient prévus, donc on la perd assez logiquement. Pour la deuxième, on la perd également de peu. Et ensuite, on fait une troisième grosse victoire, une quatrième grosse victoire le matin le dimanche matin sur la quatrième manche. Et la cinquième est en train de se dérouler, donc j'ai pas encore toutes les estimations, mais on part sur une défaite, on est tombé sur, euh,
sur une excellente team que sont les Indécents. Et du coup, on s'attendait à un certain résultat. Il y a quand même des surprises. Tout le week-end, on a eu des belles surprises d'ailleurs. On a notre joueur, Kragnos Ogor, qui a réussi à nous faire un petit je mange 3 Stormcasts dans le week-end. Donc, belle surprise. Et un gros big up aussi à mon joueur Slanesh, qu'on paierait très défavorablement de manière générale et qui nous ramène 3 victoires, voire peut-être une quatrième. La partie est encore en train de se dérouler. Donc, ça, c'est une vraie belle surprise de leur part. Et on a aussi notre coach que je tiens à remercier, qui a dormi 1 heure cette nuit, qui s'est ramené aujourd'hui, qui a fait 3 heures de route, s'est levé à 4 heures du matin pour venir avec nous. Il a dormi 1 heure et donc félicitations à lui pour ça. Eh bien, bah moi, c'est Irasès. Donc, je suis le capitaine de l'équipe des Lutins du Cotentin. Donc, Lutins du Cotentin, c'est l'association qui a organisé l'événement d'aujourd'hui. Notre équipe, donc, elle est basée à Cherbourg et à Virandeville, à côté de Cherbourg. On est pour l'instant une petite dizaine à jouer à AOS à un plus gros niveau. Aujourd'hui, on a fait une équipe de 8 qui tourne assez bien. On s'entraîne à peu près une fois par semaine. On essaie pour préparer les tournois. On ne joue pas quelque chose de particulièrement très compétitif. On essaie surtout de jouer les figurines ou les armées qui nous font plaisir et en essayant de pousser les stratégies au maximum qu'on puisse pour après aller affronter du très compétitif comme aujourd'hui, quoi. Donc pour l'instant sur le tournoi, on a fait une première ronde avec une courte défaite, une deuxième ronde avec une petite victoire, et enfin la troisième ronde d'hier, c'était une défaite, une bonne défaite face à la troisième équipe. Donc pour aujourd'hui, là la ronde en ce moment qui va se terminer a l'air assez serrée, donc ça va être pareil, petite défaite, petite victoire. On va essayer de trouver un cinquième adversaire dans notre niveau au niveau du tableau pour essayer de passer une très bonne dernière ronde avec des matchs équilibrés. Nous, notre objectif, ce n'est vraiment pas le haut du tableau. On est là surtout pour s'amuser et essayer de pousser au maximum ce qu'on peut faire avec nos listes, tout en restant dans notre bain de joueurs et de niveau de jeu, quoi. Il n'y a pas de soucis. Là, allez. Pourquoi je suis jeté ? Oui. Il a été sacrifié, le mec. Les amis, ainsi se termine cette dernière étape du FTC. Ce sont donc les Indécents qui se qualifient pour la finale. Ils rejoignent les précédentes équipes s'étant qualifiées. Donc pour rappel, ce sont les BRS, les Stratégies, les BDR et les Piliers de Taverne. Finale qui aura lieu, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore où. J'essaierai de vous tenir informés dès que j'aurai l'info. Vous pourrez aussi retrouver les nouvelles fraîches sur le site de la OSFF. Le lien est en description, bien entendu.
Je tiens d'ailleurs à les remercier ainsi que les lutins du Cotentin pour nous avoir invités pour cette étape. C'est un vrai plaisir, on a été très très bien reçus, donc vraiment un gros merci. Un grand merci également à nos partenaires que sont Crank Wargame, Myobi Place et My Scenery. C'est aussi grâce à eux qu'on peut se déplacer et vous proposer des vidéos à travers le monde, enfin pour l'instant la France, mais on ne sait pas encore. Mais aussi un gros gros merci à nos tipeurs sans qui on ne pourrait pas faire tout ça non plus. D'ailleurs, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, il y a le lien de Tipeee en description. Et sinon, mettez le pouce, likez, ça nous aide aussi, partagez nos vidéos. C'est pour faire grossir la communauté, pour vous faire kiffer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres comme ça. Mais d'ici là, je vous dis ciao les signeurs de guerre.